Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 21/9/2020 et toujours dans le cadre de nos meetings, de nos visioconférences, nous allons aujourd'hui présenter, faire un peu le tour des dernières recommandations de l'European Society of Cardiology 2020 et plus précisément sur le non-STEMI et à la lumière de quelques cas cliniques que vont nous présenter donc nos résidentes, les docteurs Johri Yousra et Mouzaoui Katia, avec l'intervention de notre médecin, de notre cardiologue angioplasticien, notre ami Karam Ammar. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole, Johri. Bismillah. Bonjour tout le monde. C'est Johri Yousra, je suis résidente au service cardiologie A2 CHU Mustapha. Comme le professeur Benkhada a bien précisé, aujourd'hui, on va traiter les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie 2020 des syndromes coronariens aigus sans élévation de segment ST sous forme de cas cliniques. Comme vous le savez tous, la douleur thoracique est un motif fréquent de consultation aux urgences. Cette douleur peut relever d'une étiologie urgente, engageant le pronostic vital du patient. Il peut s'agir d'une embolie pulmonaire, une dissection aortique ou un infarctus du myocarde qui nécessite une admission dans une unité de soins cardiologiques. Mais dans plus de la moitié des cas, on peut avoir une étiologie totalement bénigne et un diagnostic différentiel non cardiaque. Ces patients seront traités à titre externe. Aujourd'hui, on va parler des syndromes coronariens aigus sans élévation de segment ST. Plusieurs scénarios cliniques se présentent, mais comment peut-on gérer ces malades en pratique courante? Voici Monsieur A, un jeune homme de 35 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire particulier, qui consulte pour une douleur thoracique évoluant depuis 5 heures. Son ECG était normal. Le dosage des troponines ultrasensibles à la présentation était à 3 nanogrammes par litre. Monsieur B, quant à lui, un homme obèse de 50 ans, se présente aussi pour une douleur thoracique depuis 3 heures avec un ECG normal. Mais le dosage des troponines à H0 était à 42 nanogrammes par litre. On a Monsieur C, un homme âgé de 72 ans, diabétique, hypertendu, tabagique, qui consulte aussi pour une douleur thoracique depuis 2 heures. À l'ECG, on note un sus-décalage non persistant de segment ST. Et le premier dosage des troponines ultrasensibles était à 200 nanogrammes par litre. Et enfin, Madame D, une jeune femme de 44 ans, anxieuse, hypertendue, se consulte pour une douleur thoracique depuis 1 heure, avec à l'ECG des ondes de T négatives en latéral bas et les troponines à H0 étaient à 80 nanogrammes par litre. Alors, comment peut-on trier ces différents scénarios? Pour cela, ces nouvelles recommandations proposent cet algorithme pour le triage des patients dans le syndrome coronarien aigu. L'évaluation initiale, elle repose donc sur l'intégration de la probabilité haute ou basse de quatre principaux paramètres. Le premier paramètre, c'est la clinique du malade, donc les symptômes et principalement la douleur thoracique, ses caractéristiques et son étendue. Deuxièmement, on a l'électrocardiogramme au moins à 12 dérivations qui va analyser les troubles de repolarisation afin d'abord d'éliminer un sus-décalage persistant de segment ST et puis analyser les anomalies de l'onde T et le sous-décalage de segment ST. À savoir que le sous-décalage de segment ST ne représente pas seulement un marqueur qualitatif, mais aussi quantitatif. Troisième et quatrièmement, c'est le dosage des troponines ultrasensibles. Ces recommandations ont abandonné les troponines standard. Là, on doit doser les troponines à la présentation, c'est-à-dire à H0. Puis, par la suite, il faut doser
un autre, voire de multiples dosages, après 1 heure, 2 heures ou 3 heures, selon l'algorithme utilisé. Alors, l'approche de ces quatre principaux paramètres va nous permettre par la suite de décider de la prise en charge. Soit on va décider de faire sortir le malade, car il s'agit probablement pas d'une urgence cardiaque, donc ruling un infarctus de rule out plutôt un infarctus de myocarde, ou bien contrairement, le malade doit être admis ruling pour un infarctus du myocarde STEMI ou non STEMI. Et enfin, dans les cas plutôt intermédiaires, les malades nécessitent plutôt une observance et plutôt recours à d'autres explorations afin de rejoindre les deux groupes déjà expliqués. Alors, ces recommandations proposent un algorithme 0, 1 heure pour rule out et rule in les patients hémodynamiquement stables, après avoir éliminé bien sûr un STEMI. Donc, voici l'algorithme. On a à gauche d'abord les patients pour lesquels le ruling, c'est-à-dire on doit les faire sortir. Pourquoi? Soit parce qu'on a des troponines ultrasensibles très basses et un début de la symptomatologie plus de 3 heures, ou bien quand le début de la symptomatologie est récente et le taux de troponine est bas, sans qu'il y ait une différence significative après 1 heure, ou si ces malades sont sortants, rule out. De l'autre côté, c'est-à-dire à droite, c'est les malades qu'il faut admettre, rule in. Pourquoi? Soit parce qu'on a un taux de troponine élevé, ou bien une élévation significative après 1 heure. Ces deux catégories de patients représentent 75% des patients qui se présentent aux urgences. Les 25%, c'est des cas plutôt intermédiaires, chez lesquels une observance est nécessaire, un recours à un troisième dosage après 3 heures des troponines ultrasensibles et à d'autres examens, à savoir une échocardiographie. Comme j'ai déjà expliqué, ce groupe de patients va rejoindre soit l'un des deux groupes déjà cités, ou bien avoir recours parfois à d'autres explorations, telles qu'un coroscanner ou un test de stress. Cet algorithme 0-1 heure est l'algorithme préféré par ces nouvelles recommandations. Il est de classe 1B. Il est recommandé en cas de non-disponibilité, c'est l'algorithme 0-2 heures qui prend le relais. Concernant l'algorithme 0-3 heures, il a pris de recul. Il est actuellement passé en classe 2 ans. Alors, parlons un petit peu de ces troponines ultrasensibles. Sachant que c'est un marqueur de lésion myocardique, qu'ils ont une valeur prédictive négative très haute et que l'élévation supérieure à 5 fois la valeur limite supérieure a une valeur prédictive positive supérieure à 90%. Mais en pratique courante, on demande quel cutoff, quel seuil peut-on utiliser aux urgences? Alors, on a cherché et notre laboratoire au niveau de CHU Mustapha, il prédispose des troponines ultrasensibles T commercialisées par Roche. Alors, un taux très bas si les troponines sont inférieures à 5 nanogrammes par litre, c'est-à-dire si elles sont inférieures à 0,05 nanogrammes par millilitre, c'est un taux très bas. Si le taux est inférieur à 0,012 nanogrammes par millilitre, il est considéré comme bas. Et le taux est considéré comme élevé si elles sont supérieur ou égal à 0,052 nanogrammes par millilitre. Et enfin, une élévation supérieure à 5 nanogrammes par litre est considérée comme significative après 1 heure. Alors, cette figure, elle résume donc l'approche globale de cet algorithme 0-1 heure. Et elle nous permet de définir les différents timings. On a le timing of blood draw. C'est le temps de prélèvement. C'est le temps pour lequel on se réfère pour fixer H0, H1, H3. Il faut noter aussi le turn-around time. Le turn-around time, c'est le temps depuis le prélèvement du patient jusqu'à ce que le clinicien
reçoit les troponines, c'est-à-dire les résultats. Et ce turnaround time, en fait, dépend de la structure hospitalière. Et grâce à ce temps-là, on peut décider l'applicabilité ou non de l'algorithme 0-1. Si on prend, par exemple, à notre niveau, généralement, on peut dire qu'on peut recevoir les résultats dans 1 heure en moyenne. Donc, je pense que cet algorithme 0-1 heure peut être appliqué à notre niveau. Maintenant, dans les cas où on ne peut pas recevoir les troponines dans 1 heure, peut-être à cause de la charge, peut-être il faut avoir recours à un autre algorithme, c'est-à-dire celui de 0-2 heures. Les cutoffs de cet algorithme aussi étaient bien définis dans le tableau déjà cité. Donc, revenons à nos cas cliniques. Monsieur A, finalement, avait un taux très bas des troponines et un début de la douleur qui n'était pas récent. Donc, on peut le libérer avec un seul dosage et les sortir. Monsieur C, quant à lui, avait finalement un taux de troponine élevé. Et donc, il faut l'admettre dans une unité de soins cardiologiques. Pour monsieur B, donc, le taux de troponine est intermédiaire, donc 42 nanogrammes par litre à H0. À H1, on avait un dosage à 45 nanogrammes par litre. Donc, on est dans le cas intermédiaire. Alors, on a décidé de refaire encore un dosage à H3, revenant stationnaire à 44 nanogrammes par litre. Une écoqueur aussi. Qui est revenu sans anomalie et sans trouble de la cinétique segmentaire. Donc, on a décidé de le libérer, mais de demander un test de stress. Alors, on va commencer par le premier cas clinique, celui de Monsieur C. Alors, comme déjà cité, c'est un homme âgé de 72 ans qui consulte aux urgences cardiologiques pour une sensation de douleur thoracique typique rétrosternale et radiant vers le bras gauche et la mâchoire. Pour ces facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un hypertendu, c'est un diabétique et c'est un grand tabagique. Pour ses antécédents, donc il a une infarctus paroxystique traitée par AVK depuis 5 ans et une cirrhose hépatique au stade d'hypertension portale. À l'examen clinique, le malade était stable sur le plan hémodynamique et n'avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Donc, on a décidé d'abord de faire un ECG. Alors, à l'ECG, on note un susdécalage de segment ST en antérieur, donc un susdécalage de V1 jusqu'à V6. Quelques minutes plus tard, on refait l'ECG. Et là, une régression avec retour de segment ST à la normale. Donc, il s'agit d'un susdécalage non persistant de segment ST en antérieur. Alors, on a décidé de compléter par les examens biologiques. À la biologie, on note une anémie à 10, une insuffisance rénale modérée, à savoir la clairance de la créate à 50 millilitres par minute, les troponines ultrasensibles à H0 à 200 nanogrammes par litre, puis à 1 heure après à 500 nanogrammes par litre. Alors, en appliquant l'algorithme déjà bien expliqué, donc on a une douleur thoracique typique, on n'a pas un susdécalage persistant de segment ST, on a des troponines franchement positives. Donc, ce malade nécessite une admission pour un infarctus de myocarde sans susdécalage de segment ST, pour un non-stimule. Alors, la première question. Quelle serait votre stratification initiale et comment allez-vous prendre en charge ce patient? Je vais vous donner les propositions. Alors, vous allez proposer une stratégie invasive immédiate dans les 2 heures. Ou bien en B, une stratégie invasive précoce dans les 24 heures, ou bien plutôt vous allez vers une stratégie invasive sélective
selon le test de stress et l'angiospasme. Alors, je vais vous laisser juste quelques secondes pour répondre. Alors, la plupart des réponses étaient B. Très bien. Donc, effectivement, on va expliquer la stratification initiale de risque et les timings de la stratégie thérapeutique invasive. Alors, voici l'algorithme proposé par ces nouvelles recommandations pour la stratification initiale de risque. Donc, on a soit un risque très élevé, soit un risque élevé, ou bien un risque bas. À savoir que le risque intermédiaire a disparu de ces nouvelles recommandations. Alors, pour le risque très élevé, il nécessite une stratégie invasive immédiate dans les 2 heures, à savoir instabilité hémodynamique, choc cardiogénique, douleur thoracique récurrente, une arythmie menaçante ou bien une complication mécanique, une insuffisance cardiaque aiguë et enfin, ce qui est récent et nouveau, c'est le sous-décalage, plutôt le sous-décalage plus d'un millimètre de ST, donc plus de 6 dérivations, plus sous-décalage en VR, V1. Concernant le haut risque, les malades à haut risque nécessitent une stratégie invasive précoce dans les 24 heures, soit pour un infarctus de myocarde non STEMI ou bien des changements récents ou présumés récents de segments ST et de longue de T, un arrêt cardiaque ressuscité sans qu'il y ait une élévation de ST ou de choc, ça aussi était nouveau dans cette catégorie, et enfin un score de Grace supérieur à 140. Le reste des patients sont classés comme bas risque et nécessitent une stratégie invasive sélective. Alors, qu'en est-il de notre patient? Notre patient, donc, comme vous avez bien répondu, est classé comme haut risque, donc il nécessite une stratégie invasive précoce dans les 24 heures. Voilà, cette recommandation, elle précise bien que le sus-décalage transitoire de segment ST est actuellement considéré comme haut risque et ces malades nécessitent plutôt une approche invasive précoce et non immédiate, ce qui était le cas en 2015. Donc pourquoi je veux citer juste cette étude publiée récemment en 2019 dans le Journal européen de cardiologie qui a pris 142 patients avec sus-décalage transitoire de segment ST et qui a comparé 2 stratégies différentes, soit STIMI-like, c'est-à-dire le premier groupe traité comme STIMI, ou bien une approche invasive non STIMI-like, plutôt retardée. Le critère primaire d'évaluation était la taille d'infarctus à l'IRM et la FE. Et à la conclusion, on n'avait pas de différence significative par rapport à ces critères dans les 2 groupes, d'où cette nouvelle classification à haut risque. Maintenant, quelle stratégie antithrombotique allez-vous administrer au pavillon des urgences? Je vous donne les propositions. Donc, une dose de charge d'aspirine est recommandée. La PCA doit être performée sans interrompre le traitement par AVK. Rajouter une faible dose parentérale d'HNF, c'est-à-dire 60 unités kilo, ou bien vous n'allez pas administrer l'HNF. C'est une question à choix multiple. Juste quelques secondes pour voir vos réponses. Assez. ABD. Donc, j'ai beaucoup de réponses ABD. Apparemment, vous avez bien révisé la question. Alors, on va détailler. D'abord, l'aspirine, elle est recommandée. C'est une classe 1A.
pour l'anticoagulation parentérale. Alors, chez les patients déjà anticoagulés, pendant la phase péri-procédurale, donc l'anticoagulation parentérale, elle est recommandée. Si le patient il est sous AVK et l'INR est inférieur à 2,5, notre malade avait un INR à 3. Pour les patients sous NAPO, elle est recommandée quel que soit le timing de la dernière prise de NAPO. Il faut savoir aussi que la non-interruption de l'anticoagulant, que ce soit par AVK ou NAPO, doit être considérée. Car cette interruption des AVK avec chevauchement vers l'héparine était associée avec un risque hémorragique plus élevé. Aussi, si l'INR est supérieur à 2,5, ne pas administrer l'HNF, qui était le cas de notre patient. Juste une petite remarque, donc pendant la procédure, une dose d'HNF de 30 à 50 unités par kilo doit être administrée afin donc de limiter l'occlusion de l'artère radiale et aussi les complications thrombotiques intra-procédurales. Donc, ceci était tiré de papier consensus 2018, traitant les patients FA anticoagulés pour FA présentant un syndrome coronarien aigu. Alors, pour maintenant, la question qui se pose pour les inhibiteurs de récepteurs de la P2Y12. Alors, vu que le patient est anticoagulé, depuis 2015, l'association d'une double anti-agrégation plaquettaire avec anticoagulation parentérale n'était pas recommandée. Mais, je vais vous poser la question différemment, si le malade n'avait pas un traitement anticoagulant, donc, allez-vous administrer les inhibiteurs de récepteurs de la P2Y12 et quel est le meilleur timing? À savoir qu'à notre niveau, on n'a que le clopidogrel. Donc, on est limité par le clopidogrel. Alors, en A, allez-vous donner une dose de choc de clopidogrel au pavillon des urgences juste après le diagnostic ou bien plutôt donner cette dose de charge après avoir fait une coronarographie et ceci juste avant la PCA. Qu'est-ce que vous pensez? B, B, A, A. C'est une question difficile. Donc, j'ai des réponses variables entre A et B. Alors, d'abord, ces nouvelles recommandations, donc, sur ces nouvelles recommandations, une nouveauté pour le pré-traitement. Donc, il n'est plus recommandé d'administrer un pré-traitement avec inhibiteur de la P2Y12 quand l'anatomie coronaire n'est pas connue et quand une stratégie invasive précoce est planifiée. Alors, le pré-traitement, par contre, peut être considéré si une stratégie invasive précoce n'est pas planifiée chez les patients qui n'ont pas un haut risque hémorragique, et ceci en 2B. Et là, on est limité par le clopidogrel. Ce dernier a un effet d'action plutôt retardé, donc entre 2 à 6 heures, si on le compare par exemple au prasugrel ou au ticagrelor. C'est ça le problème. Alors, pour traiter cette question de pré-traitement, je vais revenir quelques années en arrière. Commençons par les recommandations de l'ESI 2011, où le pré-traitement était recommandé, as soon as possible. C'était une classe 1. Ceci était le résultat de certaines études, telles que l'étude Plateau, l'étude TM38, mais en aucun cas ces études ont comparé en fait le pré-traitement versus non-pré-traitement et en aucun cas ils ont étudié le timing idéal pour le pré-traitement. Après, en 2015, après les résultats de l'étude ACOAST et après le prasugrel, donc on n'a pas trouvé d'intérêt de pré-traitement mais plutôt un risque hémorragique élevé avec le prasugrel. Donc le pré-traitement
n'était plus recommandée avec le crash du Graal, c'était une classe 3, si l'anatomie coronaire n'est pas connue. Mais pour le clopidogrel ticagrelor, on ne sait pas. Donc, il n'y avait pas de précision sur le timing. Quelques années après, en 2017 et en 2018, avec les recommandations de DAPT et de revascularisation myocardique, donc on est revenu, le pré-traitement doit être considéré avec le clopidogrel et le ticagrelor en classe 2A. Ceci était basé toujours sur l'étude PLATO, mais en aucun cas on a montré l'intérêt de pré-traitement, on a comparé le pré-traitement versus non pré-traitement. Et enfin, en 2019, voici cette étude qui est publiée dans le registre suédois d'angiographie et d'angioplastie, qui a comparé pré-traitement versus non pré-traitement en prenant en compte plus de 64 000 patients qui présentent un syndrome coronarien aigu sans susdécalage du segment ST entre 2010 et 2018. Cette étude a comparé donc deux groupes de patients avec les critères d'appui primaire, à savoir décès à 30 jours et critères d'évaluation secondaire, décès après une année, thrombose de stent à 30 jours et saignement intra-hospitalier. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle a pris 43,7% de patients qui étaient sous clopidogrel, ce qui nous intéresse vraiment. Alors, en conclu, il n'y avait pas donc une association d'une meilleure survie à 30 jours dans le groupe pré-traitement. Par ailleurs, une augmentation de risque hémorragique intra-hospitalier dans le groupe pré-traitement. Donc, d'où cette nouvelle recommandation. Alors, je pense pour le pré-traitement, on doit peut-être discuter de l'abandonner et plutôt mettre la dose de charge de clopidogrel une fois l'anatomie coronaire est connue. C'est une discussion. Je vous laisse cette discussion vers la fin. Alors, pour notre patient, on va revenir à notre patient. On a effectué finalement une coronarographie dans les 24 heures. Donc, je vais vous montrer les boucles. Docteur Carla, si vous pouvez les commenter. Allez, vas-y, vas-y. Donc, sur la première incidence qui a été réalisée, on constate d'emblée, on voit d'emblée une occlusion au niveau de l'IVA, disons, moyen juste, au niveau du départ d'une belle diagonale avec un flux qui est estimé à Timi 0. Donc, c'est une occlusion complète. Probablement, c'est la lésion responsable du syndrome coronarien aigu sans susdécalage du segment ST. On peut passer l'incidence d'après. C'est la seule. On revient, on revient. Voilà, sur ce banc, bien que l'opérateur s'est vite décidé, on voit sur cette incidence que la circonflexe, disons la première marginale et le siège d'une sténose serrée, mais qui n'est pas le problème du jour. Et j'ai l'impression que sur la première incidence, on avait constaté une reprise de la coronaire droite. Donc, signant une occlusion chronique de la coronaire droite. Donc, l'opérateur s'est vite engagé dans la procédure de désobstruction de l'IVA qu'il a jugé la lésion coupable. Après passage du premier guide à travers l'occlusion, il obtient un flux timide au niveau de l'IVA et son analyse angiographique lui a, bon, il a estimé que la diagonale qui était bien développée, c'est une belle diagonale, était le siège d'une sténose serrée au niveau de son ostion. Donc, on peut dire que ça, il avait à traiter une lésion de bifurcation, une vraie bifurcation. Donc, pour cela, il a jugé utile de mettre un deuxième guide dans la diagonale par crainte de la perdre une fois l'IVA stenté. Donc, il s'est dit que je vais
je vais protéger ma diagonale pour essayer d'avoir un résultat parfait. Et comme apparemment il était très 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 motivé, il a opté pour une technique. Il a opté pour une technique de deux stents apparemment. Il a commencé par. Il n'y a pas une image avant, non? Non. Ah. Donc, il a opté pour une technique, je pense, à deux stents, c'est-à-dire qu'il a commencé par stenter la diagonale pour la, encore une fois, la sécuriser et la préserver, puis stenter l'interventriculaire antérieur. C'est une technique donc à deux stents qui est nommée le DK-CRUSH. Faut savoir qu'en matière de stenting des bifurcations, des lésions de bifurcation, lorsqu'on individualise bien sûr la branche fille et la branche mère, la branche principale, ce qui est recommandé d'après le consensus de l'EBC, ce qui est l'European Bifurcation Club, c'est de toujours essayer de traiter selon le T provisionnel, qui est la technique la plus recommandée. De façon simple, c'est de mettre un stent sur la branche principale, la branche mère, de faire un POT, une post-dilatation, et d'évaluer le résultat sur la branche fille secondaire qui est dans le cas la diagonale. Si on voit que le résultat est bon, on s'arrête là. Si c'est pas bon, ou bien s'il y a une dissection sur la diagonale ou un ralentissement de flux, on complète par un deuxième stent. Mais comme là, l'opérateur, il a d'emblée vu que l'ostium de la diagonale était très serré, il y avait un risque accru d'occlusion de la diagonale, il a préféré commencer par stenter la diagonale pour la sécuriser et ensuite, dans un deuxième temps, stenter l'IVA. C'est ce qu'on appelle une technique du DK-CRUSH, qui est en matière de traitement des bifurcations, la technique la plus récemment décrite et qui, d'après les dernières publications, il semblerait que c'est la technique de prédilection lorsqu'on a la meilleure technique en termes de résultats et d'outcomes lorsqu'on envisage de faire une stratégie à deux stents. L'inconvénient, si inconvénient mais on a, c'est que ça prend beaucoup de temps, peut-être qu'au début de l'expérience et de la pratique, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de produits de contraste et qu'à la fin, vous pouvez avoir le chef de service sur le dos parce que ça consomme énormément de matériel, de stents, trois ballons et de guides, etc., etc. Donc, mais apparemment, une fois la procédure terminée, le résultat était très bon avec un flux Timi 3 sur et la diagonale et l'interventriculaire antérieur. Maintenant, pour le reste, des lésions à première, voilà, à première vue, vu que la circonflexe, marginale circonflexe était serrée, je pense à mon avis, il vaudrait mieux la faire durant l'hospitalisation Oui, avant sa tout à fait. sortie. Pardon? Bah, on va le laisser Ah, d'abord le médecin. D'accord? ok. Alors, je vous remercie. Alors, comme il vous a bien expliqué, je pense, c'était une occlusion thrombotique de l'IVA moyenne en regard donc d'une sténose serrée d'une diagonale importante. Et donc, maintenant, on avait en plus de cette lésion coupable, comme vous avez bien remarqué, une sténose serré de la circonflexe à sa partie moyenne. La question que je veux plutôt poser, est-ce que vous allez revasculariser cette lésion sur la circonflexe et quel est selon vous le best timing de revascularisation? Alors, je vais vous donner des propositions. La proposition A, une revascularisation complète doit être considérée pendant l'hospitalisation. Pour la proposition B, une revascularisation complète pendant la revascularisation de la lésion coupable peut être considérée. Et la troisième proposition, une revascularisation guidée par l'AFFR des lésions non coupables. Alors j'attends quelques secondes. C'est une question à choix multiple. Alors, effectivement, on va répondre.
Alors, la revascularisation complète doit être considérée chez ces patients. Donc, c'est une classe 2A. C'est une nouveauté sur ces nouvelles recommandations. Et une revascularisation complète pendant la PCI index peut être considérée à condition que les patients ne soient pas en état de choc. Alors, pour les patients en état de choc, une revascularisation complète de routine pendant l'index PCI n'est pas recommandée. C'est une classe 3. Concernant l'FFR, une revascularisation guidée par l'FFR des lésions non coupables peut être considérée pendant l'index PCI, mais c'est une classe 2B, vu qu'il n'y a pas assez d'études randomisées dans ce sens, mais plutôt des sous-groupes de certaines études. Donc la réponse était finalement, toutes les réponses étaient justes. Alors pour notre patient, on a décidé de revasculariser donc la circonflexe pendant son hospitalisation et avant sa sortie. Maintenant, ma dernière question pour ce cas, quelle serait votre stratégie antithrombotique après la PCI, c'est-à-dire quelle stratégie au long cours vous allez suivre? Alors, je n'ai pas de proposition, je vais juste vous expliquer ce nouveau algorithme concernant la stratégie de traitement antithrombotique chez les patients sous traitement anticoagulant ayant un syndrome coronarien aigu sans élévation de segment ST. Donc, pour la stratégie par défaut, d'abord, il est recommandé de donner une triple thérapie, à savoir anticoagulant et une double anti-agrégation plaquettaire, aspirine et inhibiteur de récepteur de la P2Y12, qui est le clopidogrel. Le prasugrel et le ticagrelor ne sont pas recommandés en triple thérapie. C'est une classe 3. Alors, cette triple thérapie est recommandée juste pendant une semaine par défaut. Ce qui est vraiment récent, car cette durée était raccourcie si on la compare avec les anciennes recommandations. Puis, une double thérapie incluant un anticoagulant et une simple anti-agrégation plaquettaire, le clopidogrel est préféré ici, pendant 12 mois. Et enfin, le relais avec le traitement anticoagulant après 12 mois. Cependant, cette stratégie, elle est variable selon le risque hémorragique et ischémique. Si le risque hémorragique est élevé, donc on peut raccourcir dans ce cas-là la double thérapie à 6 mois. Si le risque ischémique est élevé, on peut prolonger plutôt la triple thérapie jusqu'à 1 mois. C'est une classe 2A. Alors finalement, il s'agit d'une balance entre le risque ischémique et le risque hémorragique. Qui doit être discuté cas par cas. Notre patient, par exemple, concernant son risque ischémique, il a une coronaropathie jugée complexe, c'est un diabétique, il a une insuffisance rénale modérée, il a 3 stents implantés avec un stentine et mise en place de 2 stents au niveau d'une bifurcation, donc le risque ischémique, il est plutôt élevé. Concernant le risque hémorragique, donc on a un traitement anticoagulant qui était utilisé au long cours, avec une anémie, si vous vous souvenez bien, à 10, une cirrhose hépatique au stade d'hypertension portale, et en plus une insuffisance rénale modérée et il est hypertendu. Donc le risque hémorragique est aussi élevé. Donc juste pour vous montrer sur cette plaque, les critères majeurs et mineurs de saignement qui étaient proposés par The Academic Research Consortium of High Bleeding Risk au moment de l'intervention coronaire, à savoir qu'un seul critère majeur ou bien 2 critères mineurs sont associés à un risque hémorragique élevé. Alors, ce score, malheureusement, n'était pas validé. Pour le score Precise DAPT, donc il n'est pas vraiment indiqué chez les patients sous traitement anticoagulant. Par contre, le Hasblad score, c'est le score qui était validé chez les patients, que ce soit sous AVK ou sous NACO.
Et notre patient, il a un Hasselblad score qui est à 3, donc L2. Donc finalement, il y a un équilibre entre le risque hémorragique et ischémique. On a décidé plutôt une approche par défaut chez ce patient. Mais je dois noter que le risque hémorragique a des facteurs modifiables. Donc ces patients nécessitent plutôt un suivi rapproché et on doit tenter quand même de corriger ces facteurs-là. Enfin, je dois juste souligner l'intérêt de traitement IPP chez ce malade, vu qu'il reçoit un traitement anticoagulant au long cours. Voilà pour mon premier cas clinique. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à ma collègue qui va vous présenter la deuxième partie. Alors, bonsoir à tous. Je me présente d'abord. C'est Dr Mousaoui Katia, résidente en troisième année en cardiologie au CHU Mustapha Bacha dans le service de cardiologie à Abu. Alors, continuons avec notre deuxième cas clinique. C'est Madame D, une jeune femme de 44 ans, hypertendue, consultant au pavillon des urgences de cardiologie pour une douleur thoracique typique, constrictive, irradiant vers le bras gauche et vers le cou. À l'examen, on a noté que cette femme était très anxieuse. Et en poussant un peu l'interrogatoire, on a appris que cette pauvre dame avait perdu son mari il y a un mois. L'examen physique ne retrouve rien de particulier. Il y avait de bonnes constantes vitales, hormis une pression artérielle légèrement élevée. L'électrocardiogramme réalisé dans les minutes qui suivaient l'arrivée de cette patiente à notre niveau a noté des troubles de repolarisation à type d'onde de T négative en latéral bas, au niveau de V5-V6. Le bilan biologique réalisé a trouvé qu'il y avait des taux de troponine qui étaient élevés. Elles étaient à 80 nanogrammes par litre et elles étaient en hausse une heure plus tard. Il y avait aussi un bilan inflammatoire positif, à savoir une hyperleucocytose à 12 000 et une CRP à 20. Comme ma collègue vous l'a très bien expliqué, l'évaluation diagnostique initiale de notre patiente se basera sur quatre points essentiels. D'abord, la présentation clinique en se basant sur les symptômes et les signes vitaux. Ensuite, les modifications électriques constatées à l'électrocardiogramme. Et le taux de troponine à 0 heure, c'est-à-dire au moment du prélèvement. Et les modifications de ce taux à 1 heure, 2 heures, 3 heures par rapport au premier prélèvement en fonction du protocole utilisé. Chez notre patiente, on avait une douleur thoracique qui était typique, avec des signes vitaux qui étaient bons. L'ECG a montré des ondes de T négatives en latéral bas, c'est-à-dire c'est un ST moins. Un taux de troponine à 0 heure qui était déjà high et une courbe ascendante une heure plus tard. Donc, vu le tableau clinique typique, la conduite à tenir était d'hospitaliser notre patiente. Il s'agit bien d'un syndrome coronarien ST moins avec infarctus du myocarde associé. Et vu que ce type de syndrome coronarien aigu est un syndrome coronarien aigu à haut risque, une coronarographie a été réalisée dans les 24 heures, c'est-à-dire l'approche invasive précoce. Voici les incidences qui ont été réalisées. Cette incidence montre le réseau coronaire droit avec une coronaire droite qui était saine. C'est un réseau qui est lisse, sans sténose significative notable. Une autre incidence pour la coronaire droite, qui montre une coronaire droite sans obstruction significative. Pour le réseau coronaire gauche, cette incidence montre bien la circonflexe où il n'y a pas de sténose évidente. Cette incidence Spider montre un tronc commun qui est sain et une circonflexe qui est bien dégagée, qui est saine. Et enfin, cette incidence qui montre bien, comme vous le voyez ici, une IVA qui est aussi saine.
En se basant sur ces résultats que je vous ai présentés, peut-on parler d'un Mainoka dans ce cas précis? Oui ou non? Donc, j'attends les réponses. Oui. La plupart répondent oui. En se basant sur le papier consensus qui est publié en 2016 de l'ESC en ce qui concerne le Mainoka et les recommandations de 2017 du syndrome coronaire ST+, le diagnostic du Mainoka est un diagnostic qui est posé immédiatement après l'angiographie en se basant sur trois critères principaux. Le premier critère étant la recherche des critères de l'infarctus aigu du myocarde tels qu'ils sont bien précisés dans la troisième définition universelle de l'infarctus du myocarde. Le deuxième point étant l'absence de coronaropathie obstructive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sténose significative de plus de 50% au niveau des artères épicardiques majeures. Et le troisième et dernier point, c'est qu'au moment de l'angiographie, il n'y a aucune cause spécifique qui pourrait expliquer la présentation aiguë de notre patiente. En se basant sur cette définition-là, le terme Mainoka est un terme qui est large, qui englobe dans ses étiologies et les étiologies ischémiques et les étiologies non ischémiques responsables de lésions myocardiques aiguës, à savoir la myocardite, le Takotsubo, l'embolie pulmonaire et bien d'autres diagnostics. Or, cette définition ne devra plus être utilisée. Récemment, l'American Heart Association, en 2019, a mis à jour cette définition qui a été aussi adaptée par l'ESC 2020. Elle a incorporé la quatrième définition modifiée universelle de l'infarctus du myocarde, mais elle a aussi exclu du diagnostic final du Mainoka toutes les étiologies non ischémiques responsables de lésions myocardiques aiguës, c'est-à-dire la myocardite, le Takotsubo, l'embolie pulmonaire, etc. Ce qui sous-entend que pour retenir le diagnostic final du Mainoka, il faudrait rechercher une étiologie ischémique. Revenons à notre patiente, Madame D. En se basant sur ces derniers critères de la dernière définition, le premier critère qui est la quatrième définition de l'infarctus du myocarde est rempli. On a une courbe de troponine qui est ascendante avec des taux qui dépassent les 99e percentile, plus des signes d'ischémie aiguë avec une douleur thoracique typique et des modifications électriques qui pourraient suggérer une étiologie ischémique, vu qu'on a des ondes T négatives dans un territoire coronaire localisé. Le deuxième point étant l'angiographie qui est aussi remplie, on a des coronaires qui sont saines. Reste à déterminer si notre présentation clinique est compatible avec un true Mainoka, c'est-à-dire qu'une étiologie ischémique est retrouvée, ou bien y a-t-il d'autres diagnostics alternatifs qui pourraient être responsables de lésions myocardiques aiguës et élever ces taux de troponine? Donc, pour répondre à cette question, que devra-t-on faire en première intention? Allons-nous demander une échocardiographie, ou bien une IRM, ou bien un test de stress, ou bien allons-nous évaluer cliniquement notre patient, ou bien nous allons rien faire vu que le diagnostic est évident. Donc, je vous donne quelques minutes pour répondre. B. D'accord. AD, IRM, AVD. Donc, il y a Wadi qui a répondu, qui a donné la bonne réponse. C'est l'évaluation clinique. L'American Heart Association a proposé en 2019 un algorithme clinique qui permettra de faire la distinction entre l'origine ischémique et l'origine non ischémique et s'est inspiré de feux de signalisation. Ce même algorithme-là a été aussi adapté par l'ESC 2020. La première étape étant le feu rouge. Cette étape consistera, en fonction de la clinique, de rechercher des diagnostics alternatifs cliniquement patents qui pourraient expliquer l'élévation des taux de troponine. C'est-à-dire, par exemple, un tableau clinique qui expliquerait un sepsis, une embolie pulmonaire, une dissection de l'aorte ou bien d'autres diagnostics non cardiaques responsables de cette élévation. Chez notre patiente, on avait calculé la probabilité
probabilité pré-test qui est revenue basse, donc ce qui nous a poussé à compléter par un taux de D-dimère qui est revenu négatif. Donc l'embolie pulmonaire a été exclue et il n'y avait aucun diagnostic alternatif cliniquement patent qui expliquait ce tableau clinique-là. Donc du coup, quelles seront les autres investigations complémentaires qu'on devra demander pour arriver à un diagnostic final? Allons-nous demander un coroscanner ou bien une échocardiographie, désolé, ou bien une imagerie intravasculaire par l'IVUS ou l'OCT, ou une IRM avec GLS, avec rehaussement tardif, ou bien un test fonctionnel intracoronaire. B, C, D. Donc, la plupart répondent soit B, C, D, soit B, D. D'accord? On arrive à la deuxième étape qui est le feu jaune. Cette étape, c'est le working diagnosis. D'abord, cette étape consistera à rechercher une obstruction qui peut-être n'a pas pu être visualisée lors de la première coronarographie en revoyant le film angiographique. Ensuite, elle permettra de rechercher, c'est-à-dire de trancher entre l'origine ischémique et non ischémique en se basant sur des examens complémentaires. Comme dans les recommandations précédentes, l'étude de la fonction VG est essentielle. Elle se fait dans le cadre de l'urgence, soit par le biais d'une échocardiographie, soit par l'angiographie VG. Elle permettra de rechercher des troubles de la cinétique segmentaire ou bien carrément un aspect typique qui nous orientera directement vers un diagnostic alternatif spécifique. Par exemple, si on retrouve un aspect de ballonisation de l'apex avec une akinésie de l'apex et une hyperkinésie basale, là, on s'oriente beaucoup plus vers un syndrome du Takotsubo. Un deuxième examen qui est devenu un examen clé dans la démarche diagnostique du MINOCA, d'ailleurs, il est recommandé classe 1 dans ses recommandations de 2020, c'est l'IRM avec rehaussement tardif. En effet, si l'IRM avec rehaussement tardif montre une atteinte sous-endocardique, là, on s'oriente vers une origine ischémique et donc le diagnostic final du MINOCA est retenu. Mais si par contre on trouve une atteinte sous-épicardique qui nous oriente beaucoup plus vers une myocardite ou bien d'autres cardiomyopathies, ou bien on ne retrouve pas de rehaussement tardif avec un œdème important et une ballonisation apicale qui nous oriente vers le Takotsubo. Dans ces deux derniers cas, l'étiologie non ischémique est retenue et donc le diagnostic final du MINOCA est carrément éliminé. Donc les deux examens qu'il fallait faire, c'était l'échocardiographie et l'IRM avec rehaussement tardif. Revenons à notre patiente, Madame B. Présente-t-elle une myocardite, vu qu'on avait un bilan inflammatoire qui était positif et des troubles de la repolarisation dans le territoire latéral bas, qui, comme on le sait tous, c'est un territoire qui est très fréquemment touché par la myocardite? Ou bien s'agit-il d'un syndrome du Takotsubo, vu que c'est une femme, elle est jeune et il y a un facteur émotionnel qui est retrouvé à l'interrogatoire? Ou bien s'agit-il d'un true MINOCA? Pour répondre à cette question, une échocardiographie a été faite chez elle. Voici la fenêtre parasternale coupe grand axe qui montre une bonne fonction VG. Il n'y avait pas de trouble de la cinétique en antéroseptal et en inférolatéral. Le couleur montre juste une fuite minime. La fenêtre parasternale coupe petit axe centrée sur les piliers ne montre pas de trouble de la cinétique segmentaire. La coupe 4 caves montre une bonne fonction VG, pas de trouble de la cinétique notable en antéro-latéral et en inféro-septal. La 2 caves montre aussi une bonne contractilité de la paroi antérieure et inférieure. Et enfin, la 3 caves qui montre pas de trouble de la cinétique avec une fuite minime. Donc, on a conclu à une écho normale. Ce qui nous a poussé à faire un GLS qui montre une altération une altération de ce GLS au niveau de la paroi latérale, à sa partie basale et à sa partie médiane, avec un GLS global de moins 17. Cette échocardiographie n'est pas vraiment très compatible avec un syndrome du Takotsubo, mais
le diagnostic de myocardite ne peut pas être éliminé. C'est ce qui nous a poussé à continuer. On a fait une IRM, comme vous le voyez ici avec la flèche rouge. Il y a une ischémie sous-endocardique, c'est-à-dire qu'il y a un rehaussement tardif qui est retrouvé au niveau de la région sous-endocardique dans le territoire latéral bas. Et donc, l'étiologie du toujours Mayenoka est retenue. Il s'agit bien d'un vrai Mayenoka. Une fois le diagnostic du Mayenoka étant retenu, qu'est-ce qu'on devrait faire? Devrons-nous traiter cette patiente comme un syndrome coronaire ST-, en suivant les directives de l'ESC du syndrome coronaire ST-, ou bien on va rechercher une étiologie de ce Mayenoka pour une meilleure prise en charge thérapeutique? Donc, j'attends vos réponses. Okay. La plupart répondent B. Eh bien, vous avez raison. On arrive au troisième et au dernier feu vert, au dernier feu qui est le feu vert. Une fois le diagnostic du Mayenoka est retenu, la recherche étiologique étant très importante. Bien sûr, c'est en fonction des centres experts. Cette recherche permettra de faire un ticket sur l'étiologie de ce Mayenoka et donc permettra une meilleure prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire une prise en charge thérapeutique spécifique. Si on suspecte un spasme coronaire ou bien une atteinte microvasculaire, là, des tests fonctionnels intracoronaires devront être réalisés à base d'acétylcholine ou ergonovine pour démasquer ces types d'étiologie. Mais si on se penche vers une rupture de plaque, ou bien une érosion de plaque, ou bien un thrombus ou une embolie des coronaires, ou bien une dissection spontanée des coronaires, là, une imagerie intravasculaire devra être réalisée. Mais malheureusement, dans 8 à 25% des cas, malgré toutes ces investigations, l'étiologie finale du Mayenoka reste d'origine indéterminée. Chez notre patiente, vu le contexte clinique, une OCT a été réalisée chez elle, montrant une dissection de la coronaire au niveau d'une diagonale à sa partie distale. Comme vous le voyez dans cette flèche-là, il y a une déchirure intimale. Celle-là, comme je vous le montre avec cette flèche, c'est la vraie lumière. Ici, c'est la fausse lumière avec formation d'un hématome au niveau de la paroi et il n'y avait pas de compression de la vraie lumière sur toute la longueur de cette dissection. Et donc, quelle serait votre prise en charge dans l'immédiat? Allez-vous traiter cette patiente avec un stent? Ou bien vous allez faire une angioplastie par un ballonnet seul? Ou bien vous allez proposer un pontage dans le cadre de l'urgence? Ou vous allez traiter cette patiente de manière conservatrice? Alors, vos réponses? La plupart répondent traitement médical. Eh bien, vous avez raison. En fait, ce qui est nouveau dans ces recommandations, c'est que pour la première fois, un algorithme a été conçu spécifiquement pour étudier le sujet de la dissection des coronaires dans le cadre du syndrome coronaire aigu, en abordant le diagnostic, la thérapeutique et le suivi de ces patients. Généralement, le diagnostic de la dissection des coronaires se pose par la coronarographie. On a trois types angiographiques qui peuvent être retrouvés. Le type 1, on trouvera un contraste au niveau de la paroi avec plusieurs lumières radiotransparentes. Quant au type 2, c'est des lésions qui sont longues et qui sont lisses. Faut noter que le type 1 et le type 2 peuvent être responsables de lésions non obstructives et donc responsables d'un Mayenoka. Pour le type 3, c'est des sténoses qui sont tubulaires, focales, qui peuvent mimer carrément une lésion athéromateuse. Si le diagnostic par la coronarographie reste incertain, là, on passera vers l'imagerie intracoronaire en utilisant soit l'échographie intravasculaire, c'est-à-dire l'IBUS, ou bien de manière préférable l'OCT, vu que l'OCT, elle a une meilleure résolution spatiale par rapport à l'IBUS. En ce qui concerne la thérapeutique, il y a deux volets thérapeutiques pour la dissection des coronaires. Soit on la traite de manière invasive en utilisant la PCI ou bien le CABG,
soit on la traite de manière médicale. Il faut savoir qu'il n'y a aucune étude randomisée qui a comparé ces deux choix thérapeutiques. Et donc, le traitement optimal de la dissection reste inconnu. Mais j'insiste sur ce point, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, il faudrait opter pour le traitement médical. Parce que si on part, si on décide de traiter de manière invasive une dissection des coronaires, c'est vraiment très dangereux. On risquerait d'avoir des résultats pires parce que on peut provoquer des dissections iatrogènes sur la dissection déjà présente. On peut provoquer l'extension de cette dissection, voire même un déploiement du stent parce qu'on sous-estime le diamètre de la paroi vu qu'il y a un hématome qui s'est formé au niveau de la fosse lumière. Pour choisir entre ces deux volets thérapeutiques, on se basera d'abord sur la clinique et le flux, le type de flux en aval de la dissection. Si on a un patient qui est très instable, avec une obstruction, avec un flux d'aval qui est réduit, c'est-à-dire c'est une lésion obstructive et flux d'aval réduit, là, c'est le traitement invasif qui sera le traitement privilégié. Mais si par contre, on a un patient qui est stable, une lésion qui reste non obstructive ou bien même obstructive avec un bon flux d'aval, là, on optera pour le traitement médical. Chez notre patiente, vu que la dissection n'a pas été vue par la coronarographie, on ne pourra pas déterminer le type angiographique. Le diagnostic a été posé par l'OCT qui a montré que la fosse lumière ne comprimait en aucun cas la vraie lumière sur toute la longueur de la dissection. C'était une dissection non obstructive. Et donc, un traitement médical a été opté chez elle. Maintenant, qu'est-ce que vous allez prescrire chez cette patiente? Allez-vous donner une double thérapie anti-agrégante plaquettaire ou bien une monothérapie anti-agrégante plaquettaire ou bien vous allez proposer un bêta-bloquant ou des statines ou un IEC ou ARA2? J'attends vos réponses. Alors, vos réponses, qu'est-ce que vous allez donner chez cette patiente? Personne ne répond. ACDE, d'accord? Faye, elle qui dit ACDE, allez, répondez. Alors, cette question, c'est une question piège, vu que moi aussi, je ne connais pas la réponse. Vu qu'aucune étude randomisée n'a prouvé l'efficacité de ces molécules dans la dissection de la corona. Donc, cette thérapeutique se basera sur des consensus d'experts. Pour la bithérapie anti-agrégante ou bien la monothérapie anti-agrégante, il faut savoir que ces molécules augmenteront le risque hémorragique. On a une dissection des coronaires avec un hématome qui se forme au niveau de la fosse lumière. Si on donne encore une thérapie anti-agrégante plaquettaire, on risquera d'étendre cet hématome. Mais il y avait des petites études observationnelles basées sur l'OCT qui ont démontré qu'il y avait une formation de thrombus au niveau de la vraie lumière, là où il y avait une compression, donc on regarde de la paroi, là où il y avait une compression par la fausse lumière. Donc, ce qui pourrait suggérer l'utilisation de ces thérapies anti-agrégantes dans la phase aiguë. Mais aucune recommandation n'est claire. Même en ce qui concerne leur durée, il n'y a aucune recommandation qui précise leur durée. Pour les bêta-bloquants, il y avait de petites études observationnelles qui ont montré que ces bêta-bloquants pouvaient réduire le risque de récidive de la dissection. Et vu que notre patiente est hypertendue, et comme on le sait déjà, l'hypertension est un facteur indépendant qui pourrait augmenter le risque de récidive, on pourra proposer comme thérapie de premier choix chez cette patiente hypertendue un bêta-bloquant pour traiter son hypertension et pour réduire en quelque sorte la dissection, la récidive de cette dissection. Pour les statines, cette molécule n'a pas été vraiment très étudiée. Il y avait une seule étude observationnelle sur 90 patients qui ont montré que ces statines, au contraire, pouvaient augmenter le risque de récidive. Et donc, ces molécules ne devraient pas être utilisées dans le cadre de la dissection des coronaires, sauf si on a une autre indication pour ça. Pour les IEC et les ARA2, si on a une dysfonction ventriculaire gauche en LED-ON,
Mais si on a une bonne fonction DG, leur utilisation reste sujet à débat. Pour conclure, devant un tableau de syndrome coronaire aigu avec des coronaires non obstructifs, ayez à l'esprit les fameux feux de signalisation. Le premier feu, c'est qui est le feu rouge, et le deuxième feu, qui est le feu jaune, serviront à rechercher s'il y a d'autres diagnostics alternatifs qui pourraient expliquer notre tableau clinique de lésion myocardique aiguë, ou bien au contraire, retenir le diagnostic final du myénocan. Et le dernier feu, qui est le feu vert, servira de rechercher l'étiologie spécifique pour une meilleure prise en charge thérapeutique, et je vous remercie. Merci, merci. Merci pour votre présentation qui était excellente. C'était comme ça. C'était très didactique. Excellente présentation. Bon, j'espère que la discussion sera aussi bien faite et aussi intéressante. Donc, nous attendons un petit peu l'intervention des uns et des autres. Donc, à vous la parole. C'est Djaoui. Si tu veux, je ne sais pas si ton micro est fonctionnel. Allez. Fadal, c'est Ali. Alain, c'est Maoufik. Fadal. Je ne sais pas ce que vous m'entendez. Si, un peu, si tu bougeais un peu la fiche tag, on t'entend à peine. Vas-y. Voilà. Vas-y. M'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Très bien, alors c'était, comme vous l'avez dit, donc très didactique. Qu'on aurait aimé peut-être voir un seul cas pour discuter longtemps et deuxième cas à la prochaine séance. Mais bon. Alors, concernant le premier cas, moi j'ai deux points donc, à soulever toujours par rapport à ces dernières recommandations. Vous avez vu donc le premier cas qui s'agit d'un décalage non persistant du segment ST et a recollé la corona organique et complètement donc, une occlusion de. Donc, c'est l'équivalent d'un infarctus. Donc, le patient, il va dormir avec une artère fermée pendant 24 heures, voire même plus. Et puis, par la suite, donc, on fera un geste de coronarographie. C'est pour ça que moi, je me pose des questions par rapport aux quasi dernières recommandations. On classe donc, ces patients dans le risque du coup, donc, pas du coup, donc, est pris en charge, pas dans l'immédiat, donc dans les 24 heures. En se basant sur un travail de 140 patients, donc je me pose toujours des questions, faut-il Et en fait, toi, tu poses la question du ST non persistant qu'on a discuté l'autre fois. les patients donc, et faire ça. Ça, c'est un point donc, à soulever. Je ne sais pas, les recommandations américaines, est-ce qu'ils vont sortir à suivre, à suivre européen ou bien ça les recommandations européennes. Ça, c'est la première question. Par contre, pour les patients qui font donc un sous-décalage du segment ST et un sous-décalage en AVR, c'est vrai que ces patients-là, c'est une vraie urgence qu'il faut les faire dans les médias, avec aussi les patients qui font des insuffisances cardiaques ou des patients qui sont instables sur le avec. Chez nous, ça reste très difficile de prendre en charge ces patients parce qu'il faut vraiment avoir les moyens pour les faire. Autre point aussi par rapport au pré-traitement, on voit donc sur les recommandations qu'il ne faut pas pré-traiter, qu'il faut pré-traiter peut-être certains patients qui n'ont pas un risque hémorragique, donc avec une recommandation qui est là. Encore aussi, c'est pas aussi clair. Donc, on voit que j'aurais donc à montrer un travail. Le son n'est pas très bon, Ali. Hein. Le son n'est pas excellent. Oui. On n'entend pas la question, on n'a pas entendu la question. Voilà. Non, ce n'est pas une question. C'est le professeur Bjaoui pose un peu
la problématique du STM en persistance. C'est vrai que ça nous étonne un peu, ça nous étonne que la preuve, vous avez trouvé une occlusion, vous avez trouvé une occlusion de l'artère. Donc, c'est ce qui pose un peu comme premier problème. Bon, ça, c'est les recommandations, hein. Voilà. Il vous dit, est-ce que les Américains voient différemment un peu les choses? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez la réponse? Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais parler à propos du deuxième cas. Ils ont soulevé une excellente question, l'intérêt de l'image de l'OCT. Parfois, dans ces cas d'hématome de paroi, ça nous arrive de scinder l'hématome à chaque fois, il descend, il remonte, donc on est vraiment embêté. D'où l'intérêt de l'OCT. Voilà. Merci pour la présentation. Aït Mokhtar, si tu veux Madame intervenir, ou Azaza. Je voudrais juste dire un mot. Bon, les recommandations, il faudrait, enfin, c'est des recommandations européennes, donc le niveau scientifique est assez étoffé. Omar, on ne t'entend pas. Le micro. Omar, il a toujours un Ah, problème de je peux micro. intervenir au stade? Asbar, Omar, on t'entend pas, Omar. On n'entend pas. Vas-y, vas-y, Aziza, vas-y. On n'entend pas, Omar, je ne sais pas ce qui se passe. Salam alaikum, bravo à nos résidentes pour cette présentation. Moi, je voulais parler de votre question au stade concernant le premier malade et ce ST non persistant. Bon, très probablement pour ce malade, le malade, lorsqu'on a la disparition du décalage, c'est sûr, le malade a occlu, puis il a réouvert son artère. Et après, il a réocclu encore une deuxième fois. Donc, le message que je voulais passer, il ne faut jamais baisser les yeux devant les ST-moins. Il faut toujours leur poser la question si la douleur réapparaît. Si ça réapparaît, il faut refaire un ECG. Donc, probablement, le malade a réocclu pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'on a trouvé l'artère occlue. Et le deuxième point concernant le pré-traitement, et je pense que c'est important de discuter est-ce qu'on continue, nous, à pré-traiter ou non. Et ce que je propose, bon, ce que je propose moi, donc on peut arrêter de pré-traiter au cours de la semaine, parce que généralement, lorsque le malade a ST-moi, il est admis la nuit, la veille, on fait sa choro est faite le lendemain. Sauf que ça reste la question pour le week-end, les malades, c'est-à-dire le jeudi ou le vendredi, et ça reste toujours une question. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien. Azouz, si tu veux intervenir, Azouz. Oui. Vas-y, voilà. Pour le premier cas, bon, je pense que comme toutes les recommandations qui sont mises, et comme vous le dites tout le temps, il faut être toujours prudent et se mettre un peu en retrait et voir ce qui va se passer, parce que ça change tout le temps. Maintenant, Jory, elle dit que par exemple, pour l'algorithme 0, 1 heure, 0, 2 heures, nous, on peut recevoir les troponines le plus souvent à 1 heure. Chose que j'imagine vraiment, vraiment très, très difficile. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il faut élargir un petit peu les intervalles. Deuxièmement, pour le pré-traitement, je suis d'accord avec Azaza. Est-ce qu'on arrête? On continue? Vraiment, c'est une question qui est difficile. Il suffit juste de prendre l'exemple du parasugrel. Il y a quelques années, il était indiqué en cas d'anatomie coronaire connue. 2 ans après, Ocoste dit non, il faut le laisser pour le bas risque, ceux qui ne partent pas en choro. Là, ça revient pour nous dire, voilà, vous ne le mettez pas, sauf si vous faites la choro. Peut-être que pour nous, c'est une bonne chose. On n'a ni prasugrel, ni ticagrelor. Il faudra se poser la question sur le clopidogrel. Est-ce qu'on continue ou pas? Je pense qu'il faut aller doucement et c'est du cas par cas. Pour le deuxième cas clinique, bon, c'est vrai que la dissection, elle a parlé de le diagnostic retenu, c'était la dissection spontanée, la dissection coronaire spontanée. Il faut lui rattacher son corollaire. Son corollaire, c'est quoi? C'est l'hématome
Intra-pariétal, c'est son corollaire. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui donne l'autre. Est-ce que c'est la dissection qui va donner l'hématome, ou bien est-ce que l'hématome spontané qui s'est collecté puis qui a rompu l'intima pour donner une dissection. Donc on ne sait pas où est la poule et où est l'œuf. Concernant la fréquence, l'une des plus grandes séries mondiales, d'ailleurs, là c'est la série de la dame qui a élaboré la classification que tu viens de citer, c'est Jacqueline Sault, c'est la plus grande série mondiale de dissection. Ce qui est rapporté, c'est que généralement, si on reçoit par an 100 syndrome coronarien aigu entre ST- et ST+, on devrait avoir une dissection spontanée. Donc c'est pour 100, c'est 1. Donc si on fait 300, normalement, on devrait en avoir 3. Le problème, c'est qu'au début, lorsqu'on a commencé à investiguer cette pathologie, on ne savait pas la reconnaître sur le plan angiographique. Donc on faisait beaucoup d'OCT. Et après, on s'est mis à faire des corrélations entre ce qu'on voyait à la coronarographie, les fameuses images suspectes, et l'OCT. Et avec l'expérience, il faut savoir qu'actuellement, entre des mains expertes, le type 1 et le type 2 de la dissection sont diagnostiqués presque uniquement sur l'angiographie. On ne fait plus d'OCT. Donc uniquement sur l'angiographie. Sur les critères angiographiques, qu'est-ce qu'il y a lieu de préciser sur les caractères, ce que généralement les autres, ça survient sur des artères, comme tu l'as dit, c'est des artères lisses, ça touche les parties distales des artères, le plus souvent, l'IVA moyen, l'IVA distale, la CX distale, etc., etc. Concernant l'évolution, pourquoi on s'est dit qu'il faut favoriser le traitement conservateur? Parce que généralement, 90%, si ce n'est plus, il y a une restitution ad integrum avec sous traitement médical. Donc, il n'y a pas lieu d'intervenir. C'est pour cela qu'on préconise généralement une hospitalisation prolongée parce que ça peut récidiver, et le plus, un contrôle à un mois, un contrôle angiographique à un mois. Donc, la meilleure option, ça reste le traitement médical. Ce traitement médical, comme tu l'as si bien dit, empiriquement, ça repose sur une mono, le plus souvent, mono anti-agrégation, l'aspirine, parce qu'on s'est dit que ça pouvait aggraver les temps. Les bêta-bloquants, par corrélation ou bien par extrapolation avec la dissection aortique pour diminuer le shear stress et diminuer la propagation de la dissection, plus ou moins les statines. Le traitement interventionnel est indiqué dans de rares cas lorsqu'il y a une dissection proximale qui touche le tronc, l'IVA proximal, les troncs proximaux. Lorsqu'il y a un ralentissement du flux au niveau de l'artère, ou bien l'artère elle est complètement occluse, ou lorsque le patient reste symptomatique, ischémique, sous traitement médical. Il faut savoir que l'angioplastie reste vraiment un challenge. Elle est très difficile à réaliser. Pouvoir introduire un guide et le faire passer à travers le vrai chemin, c'est très difficile. Ça peut demander de l'OC, une imagerie intracoronaire, et là on va utiliser l'OCT ou l'IVUS, et ça peut même, sans passer, sans vouloir stenter, le fait uniquement de vouloir faire une OCT, ça peut aggraver la dissection. Dès cela, on fait de moins en moins d'OCT. Pour ce qui est maintenant de l'hématome intracoronaire lui-même, certaines équipes se mettent à faire des techniques de fenestration, c'est-à-dire à essayer de créer à créer un passage entre la vraie et la fausse lumière, une sorte de déchirure intimale, comprimer l'hématome pour l'évacuer, mais c'est des techniques qui demandent du matériel un peu spécial et une expertise. Donc, globalement, il faut retenir qu'il faut favoriser le traitement médical, une hospitalisation prolongée parce que ça peut récidiver, et un contrôle à un mois. Tu as cité le pontage. Ce qu'il faut savoir pour le pontage, c'est une mauvaise indication parce qu'avec le temps, l'IVA native ou bien l'artère native, elle va se reperméabiliser et ton pont, il va s'occlure par flux compétitif. Donc le pontage, il faut le mettre de côté. En 90%, voire plus des cas, ça sera traitement médical, contrôle à un mois, et ça, si ça tourne mal, ben, il faudra y aller. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Si je peux rajouter un mot, je ne sais Bien pas si sûr. vous m'entendez. Ouais. Vas-y.
Oui. Justement, pour le pontage, même techniquement, c'est très difficile parce que le chirurgien ne sait pas où est le vrai et le faux chenal quand il y a une dissection coronaire. C'est des artères de 3 mm. Enfin, techniquement, c'est un challenge. Donc là, la conséquence, c'est que le pontage, bon, c'est une option, mais qui est très, très challenging, comme on dit. Après, est-ce que je peux juste rebondir un peu sur, parce que j'ai perdu la connexion tout à l'heure, Vas-y. sur l'applicabilité de ces recommandations, parce que, bon, on a vu que tous les NSTMI doivent être faits dans les 24 heures. Il y a un week-end là-dedans, hein, dans la semaine. Je pense qu'on peut faire la plupart des NSTMI dans les 24 heures, c'est ce qu'on fait. Mais le week-end, en général, on attend le dimanche. Un. Et deux, le traitement anti-agrégant en plaquettaire, dans ce cas-là, je pense qu'il faut peut-être, je dis bien peut-être, pour les patients qui doivent attendre longtemps, peut-être qu'il faudrait les pré-traiter. Si un patient arrive le jeudi, je vois mal le laisser sans bille anti-agrégation jusqu'au dimanche. Bon, ça, d'ailleurs, ça a été cité hein, dans les recommandations. C'est une recommandation classe 2 pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier immédiatement enfin, immédiatement dans les 24 heures d'une intervention coronarienne. Troisième point, c'est que vous n'avez pas trop détaillé les anti-agrégants plaquettaires. Je pense par défaut parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. On n'a que le clopidogrel, mais il y a eu quand même des nouveautés là-dedans, hein, avec une grande place pour le prasugrel, qui est devenu quasiment le traitement de prédilection, puisque maintenant on pré-traite pas. Voilà. Très bien, très bien. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions, des remarques ou des questions. Cher, je peux rajouter quelque chose? Sûr, Félicité, bien Oui. sûr. Alors, c'était juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Mousavi sur le Takotsubo. En fait, pour le Takotsubo, c'est pas aussi caricatural que ça. Il n'y a pas que la forme de ballonisation apicale. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes. Et parfois, vraiment, on est embêté devant un syndrome coronaire. Il y a la forme focale, il y a la forme des segments basaux, il y a la forme biventriculaire. Il faut savoir que quand on a un contexte comme cette dame qui a un deuil, qui est une femme qui est peut-être en périménopause, hein, on peut être ménopausé à 44 ans, il faut la scorer. Il faut scorer le score Inter-TAC qui va nous aider à savoir si on l'élimine ou pas. Bien sûr, toujours le primum movens, c'est d'éliminer un syndrome coronaire, etc., etc. Il faut savoir aussi que le Takotsubo peut s'associer à des dissections de l'IVA et peut-être d'autres dissections quand on a d'autres formes qui sont plus rares. Pourquoi? Parce que quand on a un Takotsubo, on a en fait une partie qui est sidérée et ça donne une hyperkinésie des segments qui sont ailleurs et qui peuvent disséquer ou une IVA ou d'autres segments. Donc il y a une association entre les Takotsubo et les dissections. Et troisième et dernier point par rapport au traitement, le dernier papier consensus qui a été publié l'année passée, au fait, donne des bêta-bloquants à IEC sur de petites études. Ils disent que ça donne, que c'est un Takotsubo bien sûr. Pour les statines et l'aspégique, il n'y a aucune preuve pour les mettre. Donc il faudra peut-être dans chaque service ériger son propre consensus par rapport à ces malades-là qui restent très difficiles sur le plan recommandation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, À merci quoi? à vous. Je ne sais pas si s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de commentaires. On va clore cette excellente après-midi de la cardiologie à deux. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain avec notre ami Mansuez, Jean-Jacques Mansuez. Qui est chef de pôle à l'hôpital Avicenne, je crois, je ne sais plus où, à Paris, et qui va nous parler justement des anticoagulants dans les valvulopathies. Voilà, voilà le terme donc de mercredi. Donc nous vous invitons ce mercredi au Barakallahu Fikoum, au Tawala Khair.